estrie majestueuse dessinée dans la montagne, le bleu du ciel qui se reflète dans le gris de l'ardoise, et des falaises abruptes mêlant minérales et végétales. En Corrèze, les pans de Travassac nous proposent un fabuleux voyage dans la tradition ardoisière. À Travassac, le début de l'exploitation remonte au XVIIe siècle. On a retrouvé une trace écrite de vente d'ardoises de Travassac en 1685. Donc au départ, c'était tout à fait artisanal. C'était des paysans qui cultivaient la terre et qui, en plus, se sont mis à exploiter la carrière, à fabriquer des ardoises de Travassac. Ici, il y a eu jusqu'à 250 personnes qui ont travaillé à la carrière de Travassac. Autant dire que c'était le poumon économique du coin. Les hommes sont descendus à certains endroits jusqu'à 100 mètres pour sortir de la pierre, d'où ces puits énormes que l'on voit aujourd'hui remplis d'eau. Aujourd'hui, l'exploitation a décliné. On se retrouve à être la dernière plus grosse ardoisière en activité en France. Alors, on n'est plus 250, on n'est même pas 25, puisqu'à Travassac, mes collègues sont uniquement 4 personnes à tailler les ardoises. On est toujours vivant. Et très très fière d'être le petit Gaulois qui résiste. Hein. Chaque année de passé, pour nous, c'est une victoire d'être encore en vie. Les visites, bien sûr, nous permettent également de montrer notre savoir-faire, de faire parler de nous et de continuer à fabriquer les ardoises au quotidien. Il n'y a rien qui a changé depuis 300 ans, puisqu'il n'y a aucune machine qui arrive à tailler une ardoise de Travassac. Elle est trop dure, trop compacte, cette pierre. Il n'y a que l'œil de l'ardoisier qui va réussir à décrypter cette pierre et à tailler une ardoise dans ce morceau de pierre. Ils ont laissé ces parois tout simplement parce que ce n'était pas de l'ardoise saine. Ces parois contiennent du quartz. Le quartz, ça nous empêche de fendre la pierre. En aucun cas, on arrive à tailler une seule ardoise dans ces parois. Pour nous, c'est du stérile. Alors, ça nous a laissé un paysage magnifique. Comme c'est du stérile, c'est pas étanche. Il y a de la rouille qui va s'écouler de ces parois, ce qui donne cet aspect rouillé, orangé. Il y a de la mousse qui va pousser sur les parois. Ça fait un paysage magnifique. Ici, le spectacle est partout, en levant ou en baissant les yeux. Et lorsqu'on ouvre bien grand ses oreilles, une douce mélopée enveloppe la carrière. C'est Romain qui taille ses ardoises, en rythme. À chaque fois qu'on fait une ardoise, pour vérifier le travail, si elle n'est pas coupée, si avec le choc on n'a pas créé une coupe qu'on n'aurait pas vue, on va la faire sonner. Donc oui, on est musicien, effectivement. En la faisant sonner, on remarque justement ses coupes, ses impuretés. Là, on a un son clair, donc ça veut dire que l'ardoise, elle est bonne. Mais si on avait une coupe, une impureté, ça sonnerait creux, comme ceci. Dans notre métier, il y a trois grandes étapes. La première, c'est ce qu'on appelle le rebillage, où on va feindre des gros blocs assez imposants pour en faire ce qu'on appelle des répartons, c'est des plus petits morceaux qu'on va pouvoir aisément retravailler ensuite en feuilles d'ardoise qu'on va amener à la taille. Et là, on va leur donner leur forme, soit ogivale, un petit peu en arrondi avec une petite pointe au bout, ou soit en carré. C'est intéressant puisque là, on sent vraiment la matière quand on rentre dedans avec l'outil. Donc on sent la fragilité aussi de la pierre. Hein. Si je mets un coup trop fort, ben, je la casse. Donc il faut faire attention à ça aussi. Là, on a un bout arrondi. Et je vais remonter un petit peu plus quand même. Donc c'est aussi de la patience, hein. Des fois on doit reprendre un petit peu la forme. Bon, des fois malheureusement elle casse, donc il faut tout refaire. Mais là on a une belle ardoise, voilà, taillée en forme ogivale. Il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier. C'est directement les collègues qui nous forment. Donc c'est une passation aussi, c'est ça qui est intéressant.
Parce que c'est les plus vieux qui forment les plus jeunes. Et puis une fois qu'ils seront partis à la retraite, ben nous on formera aussi la jeunesse pour ce métier. Puis eux, ça leur fait aussi très plaisir de transmettre justement leur métier qui est un petit peu en train de disparaître aussi, puisqu'on n'est plus que 4 ardoisiers. On a toujours le taillant, les burins, les marteaux, on n'a pas mécanisé la pierre. Donc c'est vraiment un savoir-faire ancestral en fait. Et le fait de voir des gens qui me regardent, qui sont impressionnés, qui apprécient ce que moi je leur raconte, ce que je leur montre, qui sont vraiment intéressés, ça aussi c'est hyper plaisant dans le métier. Ça nous donne envie de transmettre. Et le fait que ben, à 23 ans, j'ai envie de transmettre des choses à tout un public sur un savoir-faire qui disparaît au fur et à mesure, mais je trouve ça très satisfaisant. On est 4, mes collègues ont plus de 40, ouais, ils ont 50 ans, donc ils sont assez proches de la retraite. Moi j'ai 23 ans, je me dis si eux ils partent, je fais comment? Si je suis tout seul ou... Bon, je sais pas s'il y aura d'autres personnes qui viendront, mais je trouve ça dommage que justement pour un savoir-faire qui est en train de disparaître, qui est ancestral et puis qui est très populaire dans la région, que les gens ne s'intéressent pas plus que ça vraiment pour le fait d'en faire son métier.